Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, 7ème épisode de mon Let's Play sur Transport Tycoon Deluxe saison 2. Avec normalement, j'ai regardé un peu l'épisode précédent, il y avait quand même moins de lag, hein. Il y avait beaucoup moins de lag que dans le premier épisode. Au fil des épisodes, j'arrive un peu à toucher à la maniabilité du truc et à faire en sorte que ça marche bien. Pourtant, chez moi, encore une fois, je vous dis, au moment où je tourne cette vidéo, c'est d'une fluidité exemplaire. C'est vraiment parfaitement fluide. Il se passe un truc au montage qui fait que, bah voilà, il accepte pas très bien. Et dès que je bouge un peu, regardez, hop, je bouge, voilà, chez vous, ça doit saccader. Chez moi, c'est parfaitement fluide. Attention, je vous refais le saccader un peu. Allez, hop, voilà, ça saccade. Bon, écoutez, normalement ça saccade beaucoup moins que le premier et ça doit rester, ma foi, relativement correct. Quant à mon micro, bah écoutez, je peux pas faire mieux, j'ai le volume à 100%. Donc je vous conseille vraiment d'augmenter, vous de votre côté, les enceintes de votre ordinateur. Normalement, il n'y a pas de problème, vous devriez être en mesure d'y arriver. Allez, c'est parti, on va tout de suite dans cet épisode continuer de développer notre entreprise. On l'avait vu dans l'épisode précédent, Le Mans qui est une usine à habitants, 3200 habitants, ça se développe non-stop. Il faut dire que je lui fournis tout. Ah tiens, il y a un ordinateur qui a bugué, dégage. Elle a de la nourriture, elle a de l'eau, elle a beaucoup de transport. Elle est plutôt pas mal cette ville. Et puis, dégage toi. Touk. On va faire en sorte qu'elle continue de se développer. J'ai un aéroport ici qui marche plutôt bien. Ce qui serait bien, pourquoi pas, c'est de faire une petite campagne de publicité. Tiens, hop, regardez ça. On peut faire des campagnes de publicité. On peut même financer la reconstruction du réseau routier local. Ben voyons. Construire une statue à votre effigie, 345 000 euros. Non mais ça va pas, non. Tu crois que j'ai que ça à foutre? On va faire une moyenne campagne de publicité. Allez, je l'achète. Paf, voilà, ça m'a coûté 28 000 euros. Et ça va permettre de booster un peu mes transports en commun. Ce qui, ma foi, plutôt est une bonne nouvelle. Donc je m'inquiète pas pour Le Mans. Ouh, tiens, regardez ça, j'avais pas fait gaffe depuis combien de temps il est là, lui. Il y a un aéroport qui s'est construit ici. Bah tu m'étonnes, forcément. De toute façon, tout le monde va vouloir aller à Le Mans, quoi. Au Mans. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. PSG, les parisiens, la petite ville qui se développe au fur et à mesure, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi apporter un peu de flotte? On va essayer dans cet épisode de pas se laisser faire, puisque je me suis fait piquer mes places dans les épisodes précédents. On va essayer de développer de belles choses. Là il y a du pétrole, là il y a un aéroport. Je me dis que les aéroports peuvent être une solution. On va essayer de voir s'il n'y a pas de bonnes grosses villes. Tiens, regardez ça ici. Caen, 1400 habitants. Tout le monde y est sauf moi. Donc on va y aller. On va y aller. Il n'y a pas de raison que j'y sois pas. La question c'est de savoir où. Oh là, ça peut être pas mal. Pratch, quoi? La municipalité refuse la construction d'un aéroport. Oh non, ils veulent pas. Oh non, ils veulent pas. Attends, j'arrive trop tard. Comme quoi, il faut vraiment se dépêcher. Et là, on a Auxerre. Le problème c'est Auxerre, il y a déjà un aéroport qui est très bien placé. Et nous on peut pas se mettre derrière là. C'est trop vallonné. Donc on va essayer de voir une autre ville. Lisieux, est-ce que ça vaudrait le coup? Oh Lisieux c'est galère. En même temps il faut que je développe. Si je développe pas, de toute façon je vais me faire bouffer au fur et à mesure des épisodes. Donc j'ai pas le choix, on y va. Je développe. Allez. Hop, tu me baisses tout ça. Merci. Et on va construire ici. Voilà, ça y est, j'ai mon aéroport. Donc Lisieux, parfait. Ensuite, Lisieux, on va relier à quoi? Il faudrait une autre belle ville, si possible, pas très loin, quoi. Dans les alentours. Voilà, c'est un peu trop proche, Versailles. Ouh, tiens. Beaujolais, en plus. Ah, bah c'est parfait. Tiens, ça, nickel. Il m'en fallait pas plus pour choisir cette ville. Alors, ça m'embête, c'est que... il n'y a pas vraiment de terrain plat, quoi. Si j'augmente ici, toc, toc... Voilà, je suis en train de terraformer le terrain pour faire en sorte de pouvoir construire mon aéroport et pas celui d'un autre. Yes, je l'ai construit, 45 000. Allez, c'est parfait, on y va. On fait un avion. On va peut-être regarder un peu les nouveaux avions disponibles. Toi, 260 passagers, t'es pas mal, toi. 81%, c'est nul. 90%, 89%, 88%. Je regarde les taux de fiabilité. Bah, terrible. 95%. 95%, c'est parfait. En plus, t'acceptes les diamants, les fruits, la nourriture. Toi, t'es un barbare, toi. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Il accepte tout, quoi. Allez, tu vas là. Et jusque... oh, ça te fait un sacré trajet, quand même, non? Jusqu'où? Jusque là. Yes. Allez, tu décolles, merci. Voilà. Il faut que je développe mon entreprise, hein, sinon on va se faire bouffer. Donc, ce serait dommage, quoi. Alors, par contre, ce qui serait intéressant... oh là là là, il y a trois petites villes ici, là. Elles sont sympathiques. Il faudrait que je trouve des petites villes pareilles et que je les fasse développer. Un peu comme je l'ai fait avec Marseille et Le Mans.
pourquoi pas Montélimar et Chalon. Pourquoi pas faire des bus, tiens, ça peut être pas mal ça. On va le faire, on va développer un maximum, on va investir comme un putois. Hop là. Hop, voilà, parfait. Là. Là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait jusque là. Yes. Ici, c'est pareil, on met des routes ici. Là, on va mettre des routes. Ça sert à rien de mettre un aéroport à Montélimar, on est d'accord. Quoi que je pourrais anticiper, tiens, allez, on va le mettre. On va anticiper la croissance de la ville. Voilà, nickel. On fait de Paris que la ville va se développer comme une grosse cochonne et ça va nous permettre de gagner des parts de marché sur nos entreprises concurrentes. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ok, donc on va développer le transport entre Montélimar et Chalon. Donc c'est pareil, pour l'aider un peu, on va lui développer ses propres routes. Voilà, comme ça tu te développeras tout autour d'ici. Développe-toi, nickel, fais ta vie, c'est parfait. Yes, voilà, bon, ici. Ici c'est pareil, on va mettre des bus. On va mettre des bus, il faut que j'arrive à reprendre possession de ma première place. Ici. Quoi? Impossible. Oh, il veut pas. Il en veut pas. Et si je te mets. Ah ici, il y a déjà un arrêt de bus. Et, ils m'ont pris tous les arrêts de bus possibles. Ils se sont pas enquiquinés. Bah écoute, je vais prendre celui-là, hein, tant pis. Voilà, j'ai pris ici. Et là. Bah là on va le mettre ici. Tac, voilà, Montélimar, halt. Parfait. On va mettre le truc pour mettre les camions. Fourgon de la poste. Non, ceci dit, on va le faire quand même, le fourgon de la poste. Tiens, parfait. Acheter. Voilà. Donc toi tu vas de. Montélimar halt, yes, à Chalon annexe. Allez, bouge, non, pas suivant, bouge, voilà, parfait. Copier véhicule, on va copier celui-là, on va attendre qu'il décolle un peu. Iuiui, c'est quoi cet aéroport de la mort? Allez, ça, Beaujolais, il y a 103 passagers qui attendent. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on va le surveiller cet avion, mais ça fait plaisir, ça, de se développer comme ça. Nickel. Nickel, nickel. Toi, tu décolles aussi. Hop, voilà, parfait. On y retourne. On retourne dans cette ville. On va surveiller l'avion pour voir combien ça rapporte sans passagers, mais à mon avis, c'est pas mal. Donc, on a deux bus qui font Montélimar jusque la gauche. Et ce qu'on va faire, c'est que. Ce qui serait bien, c'est de trouver un truc pour les colis de la poste. Ouais, ce serait bien ça. Accepte fourni du courrier. Hop, ok. Et là, c'est pareil, ce qui serait bien, c'est de mettre des courriers ici. Accepte le courrier. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible. Pourquoi tu veux pas? Dégage, toi. Pourquoi tu veux pas? Allez, mon kikine pas. Non, tu veux pas? Il veut vraiment pas. Et si je te mets ici? Fourni du courrier, il veut pas non plus. Ah, c'est embêtant, ça. Là, peut-être. Fourni du courrier. Hop, voilà, ça y est, il a voulu. On va refaire un entrepôt juste ici, comme ça sera un peu plus rapide. Attention, l'avion arrive ici. On va surveiller combien il rapporte avant de construire le colis de la poste. Suspense, suspense. À mon avis, ça doit rapporter pas mal. Et sans passagers, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Entretien. Oh là, il va à l'entretien. L'avion, je viens de l'acheter, il passe déjà à l'entretien, quoi. Non mais sérieux, quoi. C'est quoi cet avion en toc? Pourtant, je t'ai pris parce que t'avais 95% de fiabilité, quoi. Elle décolle, décolle, décolle. 200 km/h sur la piste, là, dis donc, tu vas vite. Attention, suspense, il décharge. Combien? 21 000, super. Et en plus, il y a déjà des passagers qui attendent. Ben voilà, encore un transport de qualité, nickel. Bon, la poste, nouveau véhicule. Les fourgons de la poste, tu vas de là jusque là et tu décolles. Merci, nickel, parfait. Voilà, donc je transporte les passagers, je transporte la poste. Comme ça, ici, ça va se développer, c'est parfait. Je vois qu'il y a un truc d'eau, donc à mon avis, tu réclames de l'eau. Eh oui, nourriture et flotte requis ici. Ah, oh là, regardez ça, le vert qui commence à se développer ici. Qu'est-ce qu'il fait, le vert? Non, c'est pas le vert, c'est le rouge. Ouais, il développe ma ville. Il faut que j'arrive à lui apporter de la flotte. Et la flotte, regardez ça, il y en a ici. Oh, il n'y a plus de flotte, par contre, à l'intérieur. Oh là là, elle produit que 54 000 litres, je crois que j'ai tout épuisé. Ah, ça c'est la galère par contre. Ça c'est la galère. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Des diamants.
Ouais, mais les diamants, ça m'intéresse pas. Ici, c'est quoi? Du cuivre, ça m'intéresse pas non plus. Ah, il y a de la flotte ici. 72 000 litres, ça fait un peu loin par contre. Ouais, ça fait loin. Regardez le trajet que ça fait. Oh, ça fait trop loin. Oh, regardez ça juste ici, j'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais, toi, le ver? Tu la portes, ta flotte, là? On va lui piquer. Après tout, il n'y a pas de raison. Il le fait très bien, donc... Ah, donc, il fournit de l'eau. Très bien. Hop. Et tu vas le mettre... tu vas le mettre où? Tu vas le mettre ici. Accepte de l'eau. Yes. Voilà, nickel. Et comme ça, on va pouvoir faire des citernes de flotte. Nickel. Alors, la flotte... La flotte, nourriture, cuivre, citerne d'eau. On en a deux. On a une 21 et une 25. Bon, autant prendre la 25, hein, c'est logique. Donc, on va faire aller deux. Et mine de rien, on aura investi dans cet épisode déjà. Les avions, les routes. Allez, décolle. On fait copier véhicule. Il est où? Il est là. Hop. Je vais en faire 3. Yes. Voilà, parfait. Toc. Toi, tu dégages. On va attendre. On va les laisser un peu s'espacer. Hop. Ça marche bien. C'est bon. Donc, tu prends la flotte ici et tu la chemines jusqu'à Montélimar. Montélimar, 333 habitants, à mon avis, qui va se développer. Alors, par contre, il va leur falloir de la nourriture et ça va être un peu plus compliqué pour la bouffe. Ça va être un peu plus compliqué pour la bouffe, parce que la bouffe, j'en ai pas du tout. Des problèmes à bientôt fermer. Ouais, bah écoute. Eh, ça m'embête pour la bouffe. Ça m'embête. Hop. Voilà, il faut que je surveille ici. Ouais, c'est bon, il y a bien de l'eau qui s'achemine jusqu'ici. Alors apparemment, j'en dépote pas des masses. Ouais, c'est lui qui m'a tout pompé. Mais ça devrait suffire pour fournir de l'eau à Montélimar. Ok, parfait. Bon, ça m'embête pour la nourriture. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est commencer à racheter mes concurrents un peu. Patchzia, est-ce que je l'ai noté, Patchzia? Non, je l'ai pas noté. Attendez, dégage. On va prendre la liste. Donc, Patchzia, j'en ai vu un qui est tout nouveau. Ça c'est bon, Patzia. Ah si, je l'ai noté, Patzia, il est là. Ok, j'ai rien dit. Et il m'en manque une. Roadrunner, Transcool, je l'ai, Transcool. J'ai pas Transcool. C'est Transcool que j'ai pas noté. Voilà, égal Transcool. Je le note sur mon petit bout de papier que vous voyez pas. Transcool, est-ce que je peux te racheter, Transcool? Transcool. Tu coûtes combien? Bah, essaye de voir. Hein. Tu coûtes 294. Ah, ils veulent pas que je les rachète. Ah, ils sont kikinants. Admiral. Toi non plus, tu veux pas. Toi peut-être. Oh, j'en ai racheté. Yes. Yes, 50. 75%, il manque pas grand-chose. Admiral Transport. En plus, elle est 5e compagnie quand même. 5e compagnie, j'ai bientôt... Ben, on va sûrement dans cet épisode pouvoir le racheter à 100%. Il me manque encore 120 000, j'ai l'impression, pour pouvoir le racheter. Et comme ça, j'aurais racheté ma première compagnie Admiral Transport, c'est le 5, ouais c'est ça. Donc on voit que j'en ai 10, hein, puisque je ne me compte pas dedans. Et il faut que je rachète les 12 compagnies. Ça m'aura coûté 500 000 euros, mais par contre ça va me rapporter de l'argent, ça c'est clair. On va attendre, on va le maintenir ici. Il me manque combien pour le racheter? 128 000, ok. Je pense que dans cet épisode, on va pouvoir le racheter. Le problème, c'est que je vais sûrement racheter son crédit. Il faut savoir que toutes les entreprises concurrentes font des crédits dans le jeu. Et du coup, automatiquement... Et je vais m'endetter, mais c'est pas très grave. Regardez le monde. 5000 habitants, c'est un truc de dingue cette ville. Ça se développe, oulalalala. Mais alors toi tu vas être jackpot. Toi tu vas être jackpot, regardez ça, il y a 200 passagers à l'intérieur. Bon, les colis postaux, faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe tout de suite. Il y a trop de colis de la poste, ça va pas du tout. Donc la poste, on va s'en occuper tout de suite, sinon il va gueuler. Il va gueuler, il aura raison de gueuler. Le Mans Aéroport, est-ce que je peux te mettre là? Tac, yes! Donc le Mans Aéroport, il prend les colis de la poste, il les achemine. Il les achemine à Paris, hein, ça peut être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut te mettre là, accepte le courrier. Ben voilà, on va mettre des courriers jusqu'ici. Alors nouveau véhicule, la poste, 28, j'achète. On surveille l'avion en même temps. Donc si vous avez bien vu, j'ai demandé de prendre les
les colis ici et les transporter ici. Et tu vas décoller. Nickel. On va faire copier véhicule. Ah, faut pas s'y perdre, c'est sûr. Copier véhicule ici. Et copier véhicule ici. Voilà, parfait. Allez, ça je vire. Ça, je mets là. Attention, on a l'avion qui atterrit ici. On va surveiller combien ça rapporte. On surveille sur cet écran combien ça rapporte. Mais à mon avis, ça rapporte pépette. Hein. Il a quand même... Il y a quand même 200 passagers à l'intérieur, c'est pas rien. Donc toi, ok, super. Attention, attention, il arrive. Ah, j'espère au moins 20 000, quoi. Ce serait bien, 20 à 30 000. 30 000, ce serait pas mal. Mais bon, je me fais pas d'illusion, 30 000, ça fait beaucoup quand même. Suspense, 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 suspense. 39 000, oh, c'est génial, oh, c'est énorme. Ah ouais, ça, c'est top, ça. Ok, parfait. Donc la poste, ici... On va surveiller, vous voyez il est là je crois le camion de la poste. Ah non ça c'est la nourriture. D'ailleurs la nourriture il fonctionne à vide. Faut que je surveille la poste. Ça va être ici. J'en ai tellement des camions. C'est un truc de dingue. Voilà c'est lui, regardez ça, c'est le petit camion qui est en jaune juste au dessus de mon pointeur. Il va fournir les premiers colis. Hop. Voilà le courrier qui s'achemine ici. 684 euros, c'est parfait. Et du coup, à Le Mans, si vous regardez bien, on a 100 colis de la poste. Donc on a vraiment de quoi faire. En plus, les passagers, c'est pareil, il y en a pas mal. Ok, c'est très bien. Et vous savez quoi? Dans 15 000 euros, je peux racheter 100% de cette compagnie. Voilà, bientôt, bientôt, plus que 5 000. 6 000. Attention, on va pouvoir racheter dans pas longtemps. Allez, j'achète. J'achète. Et ben voilà. Hop, attention, il m'a donné de l'argent, j'ai l'impression. C'est pas ce message-là, c'est pas ce message-là. Voilà. C'est pas ce message là non plus, je me suis trompé. C'est pas celui là. Voyons qu'il a combien de messages. Je pensais qu'il y aurait le message. Il va bien finir par arriver non. Dégage. 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 Bon on va pas. Ah voilà, Fusion Compagnie. Voilà c'est ça. Admiral AI Transport a été racheté par iPlay4U Transport. Bah dis donc, est-ce que j'ai racheté. Ah oui, 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 bah voilà. J'ai 700 000 euros d'emprunt, effectivement. Donc j'ai racheté son crédit. Et du coup, bah du coup, je suis un peu dans la mouise, effectivement. On va essayer d'en rembourser. Hop, 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 hop. Voilà, 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 voilà. Donc j'ai remboursé, il me reste encore 160 000 euros de crédit. Donc voilà, j'ai racheté ma première compagnie. Et ça, ça fait plaisir. On va la rayer. Admiral & Co. Hop, je la souligne sur mon papier que vous ne voyez pas. Et voilà. Donc du coup, est-ce que j'ai pris. Au classement, ah je suis toujours 3ème. Je suis toujours 3ème au classement. Je pensais qu'avec le rachat de cette compagnie ça me permettrait de gagner mais, enfin de gagner une place au classement mais pas du tout. Je suis toujours resté 3ème. Bon 3ème ça reste tout à fait honorable. Par contre je m'inquiète parce que la première à mon avis elle doit être impossible à racheter. Il faut combien? Il faut 2,5 millions pour la racheter. Effectivement j'en suis encore loin. Mais vous l'avez vu, tiens regardez ça Paris. Vous avez vu Paris, c'était pas 800 habitants. Paris a considérablement augmenté ses habitants en l'espace de quelques épisodes. C'est pareil pour Le Mans. Ça ne cesse de croître et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait vraiment plaisir. Du coup, ça c'est bon. On peut, hop, développer des routes ici pour qu'ils se développent. Ça c'est bon. Voilà. Et vous allez voir d'ici quelques épisodes, Le Mans et Paris qui ne feront qu'un. Parce qu'on voit qu'il y a plein de petites maisons qui se construisent. D'ailleurs, il serait peut-être intéressant d'anticiper et de mettre une gare ici. Une gare pour acheminer. Jusque là, ça peut être pas mal ça, regardez. Je vais vous montrer un peu comment j'anticipe. Donc on prend une gare avec, si possible, longueur du quai 5. On le met dans une zone qui va se développer. On voit qu'ici ça va se développer entre Paris et Le Mans, de toute façon c'est sûr et certain. Donc on la met ici. Où est-ce qu'on peut la mettre? Ici. Allez, je la mets ici, j'anticipe. Pour l'instant je construis pas. Voilà. Hop, ok, comme ça, quand Le Mans et Paris auront regroupé, puisqu'on voit que Paris a encore gagné 22 habitants, cette gare-là, ben, je l'activerai, elle va dépoter. Quoi. Elle va dépoter, et on va acheminer des passagers jusqu'ici. Regardez ça, ça c'est top, ça. Toc. Hop, ok. Admiral AI & Co. C'est qui, c'est qui? C'est toi? Tu veux que je te rachète? 98 000, ah oui, effectivement, tu te casses la gueule. Ah là là, je peux pas le racheter. Je peux pas le racheter, mais on voit qu'effectivement, il fait la gueule. Bon, écoute, on verra bien. Donc ici, ça doit être bon. Donc on va continuer, on va monter là. Ici, on va tourner. Hop, là, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas ça. Un pont. Ouais, c'est un pont, j'avoue.
un pont jusque là. Nickel, merci. Ça c'est bon, on passe par là et on anticipe ici. Ici on a une grosse route qui risque de m'enquiquiner un peu, tiens. Hop, hop. Ouais, bon, c'est pas la classe mais bon, ça ira bien. Tac, tac, j'anticipe, hein, j'anticipe les prochains trucs. Voilà. Bah limite, tiens, vous savez quoi, limite je vais faire le trajet. Parce que je me dis que ça peut être que bénéfique de toute façon. Donc hop, on le fait. Allez, c'est parti, vendu, adjugé, je le fais. Hop. Je décale un peu, je me mets ici, et voilà, ok. Bon, cette gare-là risque de pas beaucoup fonctionner, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais celle qui est là-bas, par contre, peut être très intéressante. Donc on va le faire, tant pis. C'est quoi, j'ai de l'argent? Ouais, j'ai de l'argent. Donc on prend le turbo diesel injection 2000+, je l'achète. À l'intérieur, je mets des voitures de voyageurs, évidemment. 4, 8, 12, 16, et je mets... Hop, hop, voilà, parfait. Tu vas donc ici, ah c'est pareil, mine de rien, dans cet épisode, on aura vraiment beaucoup investi. Et tu vas jusqu'ici, allez, tu décolles, nickel. Merci. Touk. Touk. Elle coûte combien la valeur de ma compagnie, moi? 2,3 millions. Ouh là 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 là, et vous allez pas me faire croire que je suis pas deuxième? Nouvelle compagnie, Admiral AI Transport, tiens, une nouvelle compagnie. Vous allez pas me faire croire que je suis... Ça c'est pas vrai quoi, le vert il est à combien alors de valeur de compagnie? 3 millions, ah ouais j'ai rien dit, effectivement. J'ai rien dit. Je me situe un petit peu derrière effectivement, mais on voit que je commence à grappiller. Ça fait plaisir. Putain, cette ville là se développe, c'est juste incroyable. J'ai mon aéroport ici en plus qui dépote. 104 passagers, j'espère qu'il y a du monde à l'intérieur. J'espère qu'il y a des avions, je veux dire. En plus j'ai une belle gare ici. Ouais, on voit que j'ai un avion qui arrive ici. Il a du mal. Oh là 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 là. Oh, il a du mal. Il transporte 300 passagers, donc ça, ça fait plaisir. Par contre, la qualité des transports... Ouais, si, c'est bon, ça va. Allez, on rembourse un peu de crédit. Tac, tac. Voilà, il me reste plus que 100 000 euros de crédit, ce sera pas mal. Toi, t'arrives ici, c'est bon. Ok, tu prends des sacs de la poste. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Ça se développe vraiment bien, je suis content. Et à l'intérieur ici, est-ce qu'on a des... Ouais, on a des passagers qui arrivent. Ben voilà. Ça c'est top, on est à combien de minutes d'épisode? Je vois pas le temps passer, 22 minutes, on va rester encore 5 petites minutes ensemble. 28 000, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette usine là? Ah c'est une usine auquel on fournit du pétrole pour fabriquer des caisses de biens. Effectivement ça peut développer les villes. Le Mans 5400, Paris on est à combien? Oh Paris ils ont perdu un peu d'habitants mais c'est pas grave. C'est pour mieux sauter derrière, pour mieux se reconstruire. Touk, ça c'est bon. Les trucs à sens unique, quoi. Je le fais jamais, ces trucs-là, mais bon, pourquoi pas. Donc, ça, je fais des petites routes pour que ça se développe. Ça, c'est bon, Le Mans, c'est bon. Marseille, ça fait longtemps que je suis pas allé voir les petits Marseillais, on en est où? 1059, ça y est, on a dépassé les 1000 habitants. On était à 800 habitants, je crois, quelque chose comme ça, donc ça fait plaisir. Ça, c'est bon, le diamant, il est bien exporté ici. Je suis un peu embêté par rapport à la flotte ici, parce que j'ai l'impression que j'en fournis pas tant que ça. Est-ce que ça marche là-dedans? S'il y a un peu de flotte, ok, parfait, très bien. Est-ce que je vous fournis de l'eau? Ouais, je vous fournis de l'eau, ok. Et du coup, ça développe un peu. On était à 333, non, on est toujours à 333, ça se développe pas. Montélimar Aéroport, on va peut-être voir si je peux pas l'activer. Montélimar Aéroport, jusqu'où? Est-ce qu'il n'y a pas une ville dans le coin qui peut être intéressante? Il y a Lyon, mais Lyon qui est toute petite, quoi. Ah, ici ils sont totalement buggés, regardez ça, je sais pas ce qu'ils font, ils sont tous buggés. Ah ouais, ça bouge pas du tout. Donc on a Valence qui a pas du tout d'habitants, dans le secteur ici est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant, là on a quand même deux grosses villes ici. On a Vichy et Chaumont qui dépotent. On voit d'ailleurs, vous avez une sorte de rocade ici qui est énorme, hein, qui est vraiment bien fréquentée par tout le monde. Non, là, pareil avec des colis poste, ça m'intéresse pas. Peut-être développer cette ville, tiens ici. Non, ici j'ai déjà un avion. Peut-être cette ville-là, Nice. Nice, allez, on va développer Nice. C'est parfait. Allez, ce qu'on va faire. On va construire un aéroport, on va anticiper le fait que c'est pareil, que cette ville va se développer. Un terrain plat requis. Ah, tu veux un terrain plat? Eh ben, on va te faire un terrain plat. On va lui augmenter son truc. Tac, tac, tac.
Tac, ça coûte un peu d'argent, effectivement. C'est pas donné. Bon, ça va, ça reste tout à fait acceptable. Et voilà. Allez, cette fois-ci, c'est bon, t'as le terrain plat requis. Yes! 44 000. Donc, on va, pareil, faire des petites routes pour qu'il se développe un peu. Ici. Allez, Nice, tu te développes. J'investis sur toi. Je prends le secteur. Hop. Et hop là, voilà, parfait. J'ai fait des routes. Donc, on va faire un aéroport de Nice. Bah, jusqu'à je sais plus quelle ville déjà. Et il me faut un truc à 95%. Voilà, c'est pas mal ça. 95%. Ouais, ça fait plaisir. Donc, t'y vas. Hop. Nice. Que je salue au passage. Jusqu'ici. Voilà, c'était Montélimar. Et voilà, parfait. Hop, hop. Et hop là, nickel. Du coup, petit classement, petit classement, petit classement. J'en suis où? Oh purée, je suis passé premier. Voilà, ça y est, je suis repassé premier avec la construction que j'ai fait. J'ai construit quand même deux aéroports et deux avions. Non, quatre aéroports, je crois, dans cet épisode, plus deux avions. J'ai construit des bus. J'ai construit aussi des chemins de fer. Bref, j'ai construit pas mal et j'ai racheté une compagnie aussi. Hein, vous l'avez vu, j'ai racheté une compagnie concurrente. Et du coup, ça y est, je suis passé premier en transport. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, ben voilà, premier objectif accompli. Je rappelle qu'il faut que je finisse premier et qu'il faut que je rachète toutes les compagnies que vous voyez là. Donc j'en ai racheté une, il en reste encore 11 à racheter, c'est pas gagné, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Allez, à la prochaine, salut à tous.